Bonne année à toutes et à tous, bonne année aux Outre-mer et bonne année à la Polynésie qui va, sous l'égide de laquelle est organisé ce salon. Pourquoi le président de la métropole du Grand Paris s'exprime-t-il aujourd'hui? Eh bien pour plusieurs raisons. La première des raisons, peut-être une des plus importantes, c'est que la métropole du Grand Paris est le cinquième département de l'Outre-mer. Il y a plus de 400 à 500 000 ressortissants, notamment des Antilles, qui vivent dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Donc nous nous sentons très concernés par ce salon de la gastronomie de l'Outre-mer et la francophonie, et c'est une raison pour que la métropole du Grand Paris apporte son soutien total à cette initiative. La seconde, et non des moindres, c'est que Babette est une amie, et Babette est une énergie en même temps qu'une amie. D'ailleurs, la preuve, vous êtes toutes et tous réunis sous son égide, et quand elle demande quelque chose, on peut difficilement lui refuser. Donc j'ai accepté d'être là, par plaisir, mais aussi pour lui faire plaisir. Et puis il y a une autre raison qui est plus intime et plus personnelle. J'étais pendant 30 ans député et président notamment pendant 10 ans de la commission des affaires économiques qui gérait l'outre-mer. Et je me suis attaché pendant tout ce temps-là à défendre les ultramarins et l'outre-mer. Et notamment, c'est moi qui ai eu la responsabilité de préserver la défiscalisation dans les départements d'outre-mer, notamment aux Antilles, jusqu'en 2020. Et c'est une de mes plus grandes fiertés parce que vous en avez dans ces départements besoin pour le développement économique et bien entendu, à travers le développement économique, tout ce qui concerne l'emploi des salariés. Dans cette joie de vivre, ce bonheur de vivre qu'on trouve aux Antilles. Et Babette, elle incarne tellement bien qu'il est normal qu'on lui apporte notre soutien. Alors je te souhaite une grande réussite pour ce salon de la gastronomie. Tous les Domiens qui vivent à Paris puissent se fournir dans des produits d'origine, de bonne qualité, qui respirent le soleil, le sucre, le bonheur, la joie qu'on trouve dans nos territoires et dans nos départements d'outre-mer. Voilà, ne serait pas possible sans l'efficacité et la pugnacité de Babette de Rosière. Voilà. Et à tous, et excellente année à toi, Babette. Sans toi, cet événement n'aurait pas lieu, et sans toi, je ne serais pas là. L'histoire avec Babette est une histoire de rencontre et l'histoire d'une passion. Monsieur le ministre a dit qu'on mangeait bien dans le Périgord, on lui a répondu qu'on mangeait bien en Guadeloupe. Ce qu'il y a de commun entre le Périgord, Beyrouth et la Guadeloupe, c'est qu'on aime bien manger. On mange bien partout et c'est bien ça un trait commun à la francophonie. C'est bien ça un trait commun que nous autres Libanais avons découvert en allant dans l'outre-mer, en allant en Guadeloupe chez toi, Babette. Et la participation du Liban au salon de la gastronomie d'outre-mer et de la francophonie traduit vraiment cet attachement. Un attachement à la diversité, une diversité culturelle que le Liban porte avec la langue française et une diversité de la cuisine que le Liban porte avec le palais francophone. C'est un voyage dans le monde des épices, dans le monde des goûts, dans le monde des cultures. Et c'est un voyage auquel, Babette, nous allons nous associer cette année. Et c'est un voyage, je vous promets, que nous essaierons de mener ensemble l'année prochaine, quand le Liban, grâce à vos efforts, sera peut-être l'invité d'honneur de l'édition de l'année prochaine. Merci à tous et on vous donne rendez-vous au stand du Liban, au salon de la gastronomie francophone. J'appelle à présent Madame Babette de Rosière. Et non seulement je l'appelle, mais je vous rappelle aussi que Babette de Rosière est l'immense chef de cuisine qui nous fait saliver tous, la grande animatrice de télévision et maintenant conseillère régionale auprès de la présidente de région de France, Madame Valérie Pécresse. Bonjour à tous. Le maire de Paris n'est pas là, mais il m'a demandé de l'excuser parce qu'il est empêché.
Madame la déléguée auprès du président de la Polynésie, Madame Caroline Tang, Monsieur le président Patrick Ollier, l'excellence ambassadeur du Liban, Madame Farida Dani, vice-présidente de la région de France, Monsieur le président Stéphane Layani, Mesdames, Messieurs les journalistes, mes chers partenaires, mes chers exposants, mes chers amis, et bonjour Sylvie. T'as vu ? Je suis très heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour le lancement de la 3e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer, élargi aujourd'hui à la francophonie. Merci à vous tous de votre présence et je profite pour vous souhaiter une excellente année. Les 2, 3 et 4 février 2018, je vous donne tous rendez-vous à la porte de Versailles, Hall 5, pour un événement exceptionnel à ne pas rater. Un événement gourmand à la découverte de nouvelles saveurs culinaires venues des Outre-mer et cette année du monde de la francophonie. Un vrai festival de découverte culinaire que je vous propose, parrainé par mon ami le grand chef Yannick Alino, 3 étoiles au guide Michelin. C'est un événement de partage, de rencontres, de fêtes. Des animations viendront en permanence garantir un événement féerique, ensoleillé, dépaysant, coloré en plein cœur de Paris en plein hiver au mois de février. Vous pourrez apprécier une exposition de photos intitulée Escale en Outre-mer, d'où 50 photographes vous feront découvrir à travers leurs clichés originaux la biodiversité, la faune, la flore, terrestre et marine des Outre-mer. Vous pourrez visiter également l'espace start-up dédié aux jeunes entrepreneurs haïtiens. Jean-Michel Cohen, nutritionniste, animera un grand débat sur l'alimentation avec pour thème « bien manger pour bien vivre ». Et ça, c'est très important. N'est-ce pas Yannick ? Tu devrais venir avec moi, t'es le parrain. Une nocturne sera organisée le samedi jusqu'à 23h. Ce sera aussi un événement de prestige, avec la mise en l'honneur des meilleurs grâce à la remise des différents prix. Le trophée Babette, bien sûr, pour récompenser la crème des jeunes des lycées hôteliers, qui le méritent, mais aussi 2 nouveaux prix. Le prix de l'innovation Drink and Food et le prix coup de cœur de la presse et des blogueurs. Évidemment, aujourd'hui, je suis très heureuse et fière d'avoir relevé ce challenge. Mais il a fallu travailler dur, m'entourer de personnes compétentes pour libérer et fédérer toutes les bonnes volontés autour du même projet et organiser cet événement. Je profite ici pour remercier, j'aimerais bien les appeler qui viennent aussi sur le podium, l'ensemble des personnalités qui m'entourent et qui forment une équipe solide et soudée autour de moi. J'appelle Cathy Pessier, Christine, Fuss, Philippe, Manu, Marina, et puis Jacques Folio, Franck, Claude mon époux et Naïma Amak, qui grâce à elle nous sommes maintenant à la porte de Versailles. Vous pouvez venir. Vous pouvez les applaudir. Cathy Pelletier. Sans eux, j'aurais eu du mal à tout organiser, car l'organisation des salons est un vrai travail d'équipe. Il a fallu convaincre aussi les autorités publiques du bien fondé de notre démarche. Malheureusement, beaucoup de responsables politiques voient les Outre-mer comme une charge plus que comme une opportunité ou une chance pour la France. Lorsque j'ai créé ce salon en 2015, je croyais qu'il intéresserait fortement le ministère de l'Outre-mer, qu'il aurait accueilli dans son sein pour le valoriser comme le fait le ministère de l'Agriculture pour le salon de l'Agriculture. Mais hélas, jusqu'ici, cela n'a pas été le cas. Mais j'ai bon espoir avec la nouvelle ministre, Madame Girardin, que tout s'arrangera. C'est donc avec d'autant plus d'émotion, de chaleur et d'enthousiasme que je veux exprimer ici ma reconnaissance aux personnalités qui m'ont aidé et qui m'aident encore. Tout d'abord, vous, chers exposants, qui m'honorez, je suis très ému, qui m'honorez de votre présence, de votre confiance, de votre fidélité au salon. Je vous remercie. Pour des produits et de savoir-faire. C'est un message de soutien et d'espoir adressé à toute une filière, à des agriculteurs, à des cultivateurs.
cultivateurs, des éleveurs, à des commerçants, des restaurateurs qui trouvent dans ce salon une belle vitrine. Nous pouvons dire maintenant que les Outre-mer ont leur maison à Paris. L'année dernière, j'ai convié des acheteurs de l'agroalimentaire au salon. Trois produits des Outre-mer ont été sélectionnés et ont obtenu le label Reflet de France et sont vendus à Carrefour International. Cette année, j'ai créé carrément un pool d'acheteurs. Ils viendront visiter le salon et déguster de nouveaux produits pour pouvoir les sélectionner. Mon ambition est de faire apprécier les produits des Outre-mer pour un développement économique sur le plan national et international. Et puis c'est un message que je vais adresser aux familles, à nos familles. Bien manger, c'est bien manger et bon. Surtout manger sain. L'obésité, c'est un fléau énorme qui sévit plus que jamais en métropole comme aux Antilles, chez les jeunes et les adultes. Et ça me fait vraiment mal au cœur quand je vais aux Antilles et que je vois des jeunes enfants obèses. Il y a beaucoup plus de gens surpoids en 2015 que dans les années 80 et 90. 15% des adultes sont désormais concernés. Cette proportion est constante, est en constante augmentation et nous connaissons les impacts de cette mauvaise alimentation sur la santé. Nous devons donc bien encourager les ultramarins à améliorer leur alimentation en consommant davantage de bons produits naturels et diversité et à consommer davantage des produits locaux parce que nous avons d'excellents produits locaux en Outre-mer. Il faut pour cela mieux considérer ces produits, les faire apprécier et c'est bien l'une des ambitions de ce salon de la gastronomie des Outre-mer. Grâce à vous tous, grâce à tous les partenaires impliqués, notre salon a très vite rencontré son public. Nous ne nous attendions d'ailleurs pas à un tel succès. Notre salon a grandi. Nous l'avons élargi à la francophonie. Sa surface d'exposition s'est étendue, 6000 mètres carrés. Nous avons dû quitter la porte de la Villette pour nous installer dans des espaces plus vastes, plus attractifs en termes de retombées économiques et bien sûr en visibilité à la porte de Versailles. Le nombre d'exposants est passé de 70 en 2015 à plus de 130 attendus cette année. Nos visiteurs viennent par dizaines de milliers des quatre coins de la France et au-delà. Oui, c'est une réussite. Nous en sommes fiers. Cette réussite est la vôtre. Et je suis fier car en fait, ce qu'il y a derrière ce salon, c'est le combat de ma vie, le combat pour les Outre-mer. Ce salon avec tellement de cœur. La Babette ne fait pas les choses à moitié, mais son cœur dans tout ce qu'elle fait. Mon parcours personnel de mes origines aux plus récentes étapes de mon parcours professionnel a forgé ma profonde conviction que la France peut et doit être fière de ses Outre-mer. C'est une conviction que j'ai toujours défendue dans toutes mes fonctions, comme chef cuisinière, comme femme de télévision et comme élue. Nos Outre-mer sont à l'origine d'une diversité de cultures, de traditions, de couleurs, de goûts qui enrichissent et renforcent notre pays dans le respect de ses valeurs fondamentales. Les Outre-mer ont aussi un intérêt stratégique. Puissance mondiale, la France est grâce à ses territoires et à leur population présente dans le monde entier, sur tous les continents et dans tous les océans. Pour autant, les habitants des Outre-mer, qu'ils y habitent ou qu'ils soient installés en métropole, ont trop souvent le sentiment de ne pas être partie intégrante de notre communauté nationale ou d'être victime de préjugés. Même en gastronomie d'ailleurs, ce sont des clichés. On ne connaît que le rhum, les acras et le petit boudin. Alors modestement,
Je travaille depuis des années, jour après jour. Je recrée du lien, souligner ce qui nous rassemble, reconstruire des ponts, éveiller la curiosité et l'envie de découvrir ce qui est proche, mais pourtant différent. Ce salon, c'est aussi, et peut-être finalement, la possibilité pour tous les ultramarins de tous les territoires de se rassembler en un seul endroit, sur un même toit, avec les amoureux de l'outre-mer, les gourmets ou simplement les curieux. Ce salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie est désormais votre rendez-vous annuel incontournable. C'est l'arme absolue pour faire connaître le patrimoine gastronomique à sa juste valeur et il a pour but de valoriser la qualité, la diversité des saveurs venues de ces régions, mais aussi le patrimoine, la culture, le tourisme, les savoir-faire et les talents de nos Outre-mer et du monde francophone. Nous avons tant de choses à découvrir, nous avons tant de choses à montrer, nous avons tant de produits de qualité à mettre en avant, des produits exotiques, mais qui sont issus de l'agriculture française. Alors oui, ce salon, c'est celui de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna, de Saint-Martin, actuellement blessé dans sa chair. J'ai une pensée émue pour les Saint-Martinois. Je me suis rendu il y a un mois à Saint-Martin. L'étendue des dégâts est énorme. Je leur demande de rester debout, comme on dit chez nous, debout, malgré les souffrances, de garder espoir. Ce salon est celui de la France ouverte, diverse, fière, ambitieuse, généreuse et rassemblée. Bravo. Les 2, 3 et 4 février à la porte de Versailles pour nous retrouver, partager et célébrer une chance commune de faire partie de ce beau pays et porter avec fierté les couleurs de nos Outre-mer. Merci. Surprise. Cette surprise, c'est une petite voix que vous avez entendue certainement. Je vous en dis pas plus. J'appelle Monsieur Di Falco. Ça tombe bien d'ailleurs parce que je l'appelle aussi. Je laisse donc la parole. Que dis-je, la parole? Le larynx, les cordes vocales à Monsieur Fabrice Di Falco, que personnellement j'admire énormément. J'ai eu les larmes beaucoup aux yeux, comme Babette les avait tout à l'heure, en l'écoutant chanter chez Babette, l'hiver, de Parchel. Et j'imagine que je vais de nouveau avoir la larme à l'œil en l'écoutant maintenant. N'étant pas spécialiste de la voix, je vous lis quelques précisions techniques concernant le timbre de Fabrice Di Falco. Il est donc un chanteur lyrique à la voix de soprano masculin, une voix rappelant celle des castrats, qui met en valeur ses racines italiennes et antillaises, un beau mélange. Fabrice Di Falco est coutumier des opéras baroques. Il chante notamment le répertoire de Farinelli depuis la sortie de l'album Les Sauvages aux éditions Sony. Enfin, Fabrice Di Falco fusionne le baroque et le jazz. Et dès maintenant, pour sa marraine Babette de Rosière, il va fondre sa voix de castrat au répertoire agro-américain et à la biguine.
Jambi. Vraiment
pour quitter moi. Peut-être que l'amour nous attire trop longtemps. C'est pour ça que je dis où on vit, en place et moi. Papa la yale, papa la tire tire.
l'émission et ça a été un coup de cœur. Nous sommes tout simplement là pour représenter la gastronomie avec toute cette diversité qu'il y a et tout ce qui est autour, tous les chefs, tous les talents que nous avons dans ce domaine. Je suis là pour ça, nous sommes là pour la promotion de ces chefs. Nous sommes là aussi pour dire que nous avons plusieurs savoir-faire et nous avons beaucoup de choses à apporter à la France. Et c'est dans ce sens que l'Académie de la culinaire est ici.